Oui, dans le temps qui nous est imparti, je crois qu'il sera difficile de résumer les enjeux que nous voulions aborder entre ville et urbanisation, cette rupture, comme nous l'avons dit, d'autant plus que je voudrais rebondir à la fin, non plus sur l'approche plus analytique et théorique, mais sur l'aspect opérationnel et la présentation de l'état des centres anciens aujourd'hui. Donc, je vais fatalement être parfois elliptique et je vous saurai gré si à la fin vous pouvez me poser les questions qui me permettront d'éclaircir des points sur lesquels je suis passé trop rapidement. La question urbaine est au cœur de notre problématique d'aujourd'hui et des gens très sérieux comme les statisticiens ou les géographes sont amenés à chercher des mots pour rendre compte du phénomène urbain. On parle de bassin d'habitat, conurbation, zone de peuplement industriel et urbain, aire urbaine, réurbanisation. Et même sur le plan plus général et théorique, on voit apparaître des termes comme ville, post-ville, urbain, post-urbain pour François Chouet, ville globale pour Sassène, ville diffuse pour Indovine et Secchi, hyperville pour Corboz, ville générique, je ne rappelle pas le terme de Colas, ou métropole pour François Hacher. C'est-à-dire, il y a toute une recherche pour qualifier le phénomène urbain d'aujourd'hui, et pour ne pas parler de ville, pour quelque chose qui ne répond pas aux critères qui ont défini ce mot au départ. Alors, cette rupture est certainement morphologique. Et je m'attarderai beaucoup sur l'aspect morphologique, mais elle n'est pas que quantitative et formelle. Le phénomène morphologique reflète une nouvelle vision de l'espace habité et, je dirais, de son rôle dans le processus de socialisation des individus ou d'intégration des groupes sociaux. Je veux dire, le fait urbain comme le fait architectural. La forme n'est pas un fait autonome et ce n'est pas un événement fortuit. Hein. La forme, par son langage et ses codes qui lui sont propres, elle exprime des réponses qu'elle donne aux nécessités, les possibilités techniques qui lui sont offertes et aussi les représentations et systèmes de valeurs que la société emploie pour modeler cette forme. Donc, à ce titre-là, on ne peut pas distinguer le fait formel du fait social pour aborder la question. Donc, lorsqu'on parle de ville et d'urbanisation, et quand on parle de rupture, il faut commencer peut-être par définir les termes, leur donner un contenu. Je vais le faire aussi brièvement que possible. D'abord, la notion de ville. Les premières représentations que nous avons de la ville, c'est ce hiéroglyphe égyptien, le nout, où l'on voit se croiser au milieu d'un espace délimité deux axes. Et on voit que lorsqu'on parle du village, ce sont les images qui sont en bas de l'écran, on n'a plus le même phénomène. On voit que dans une estampille de Bactriane, c'est moins 3000, ou dans les bas-reliefs assyriens, on retrouve le même schéma. Et on le retrouve aussi au Moyen-Âge, de représentation ici de Jérusalem, ou même en Orient, une représentation d'Ahmedabad en Inde. Et on voit se prolonger ce schéma avec cette centralité et cette délimitation, y compris dans les gravures représentant une Rome telle qu'elle se le représente, même si elle, matériellement, elle ne correspond pas
à la réalité de la ville en pleine Renaissance. Et on voit le geste de Lucio Costa lorsqu'il dessine le premier croquis de Brasilia, partir aussi de cette même référence à un schème. C'est le rituel romain qui nous donne peut-être l'image la plus claire de la fondation, où le lieu est consacré, défini, par les hospices, et le prêtre se met au moment de la fondation en ce lieu consacré, et il creuse une cavité dans le sol, le mundus, et de la terre extraite du mundus, il forme un monticule qui s'appelle l'altar ou le capitole, c'est-à-dire il évoque les deux directions vers le zénith et le nadir, et en étendant ses bras, la projection de son ombre va fixer à partir de ce centre le cardo et le decumanus, c'est-à-dire les deux axes que l'on voyait aussi dans l'hiéroglyphe égyptien. Et la légende dit, la légende veut comme ça, que le guerrier le plus fort de la tribu, partant de ce point central où se croisent les deux axes et qui se rencontre avec l'axe du nadir et du zénith, à partir de là, le guerrier le plus fort de la tribu jette son javelot, et là où le javelot va tomber, avec deux bœufs et un soc, on creuse un sillon, en prenant soin de rejeter la terre vers l'intérieur et de laisser le sillon vers l'extérieur, parce que ce sillon libère les forces chtoniques et la terre rejetée forme le rempart. Et lorsque le soc rencontre la projection du cardo et du decumanus, on le lève, car c'est l'endroit du franchissement, c'est l'endroit de la porte. Donc, en ayant ainsi délimité un espace, en ayant tracé les quatre directions cardinales et les deux directions du zénith et du nadir, on reconstitue géométriquement une sphère qui est l'espace maîtrisé, qui représente l'espace maîtrisé, c'est le choros, qui s'oppose chez les philosophes grecs au chaos, c'est-à-dire à l'espace non maîtrisé. Certes, il y a beaucoup à dire sur les rapports entre l'espace maîtrisé et l'espace non maîtrisé, mais ne nous attardons pas sur ça, si ce n'est pour souligner que l'espace urbain est conçu comme un microcosme maîtrisé et ordonné, consacré puisque les dieux tutélaires y sont assignés, et à partir de là, on va voir que dans toute l'histoire de la ville, à commencer par Corsabade, et après sur Saint-Gimignano, Sienne, on aura cette consécration de la ville, consécration que l'on trouvera d'ailleurs par analogie également au bâtiment. On voit ici à Padoue la consécration de la chapelle, de même que l'on fait la consécration de la ville. C'est-à-dire qu'il y a un parallélisme entre l'édifice et l'espace urbain. On continue à voir ici la protection, l'espace protégé et la consécration de cet espace, qu'il s'agit aussi d'unifier. À gauche, vous avez une vue du plan de Béziers, qui était une ville formée, comme toutes les villes médiévales, par des petits bourgs. Et une fois par an, l'évêque de Béziers faisait une procession traversant tous ces bourgs pour unifier un espace qui risquait de se morceler en des entités différentes. À droite, on a toute une série de représentations de Rome, et Rome se voulant être la capitale universelle. Il y a sept basiliques qui représentent les sept patriarcats, et les pèlerinages
et les percées romaines raccordent aussi ces églises de sorte à unifier, vous le voyez par des processions, l'espace non seulement de la ville, mais au-delà l'univers. Deuxième caractéristique, comme nous l'avons vu, c'est la limite qui, là-haut, on a la première image, le pape Martin V qui trace les limites de Sainte-Marie-des-Fleurs à Florence, et on voit qu'il fait exactement la même chose, c'est-à-dire il bêche comme le sillon romain, il bêche le terrain qui va être consacré à l'Église. Après, cette limite va symboliser l'Église, et nous avons Tiquier, mais nous avons aussi l'Italie qui est représentée par une couronne de remparts, et nous avons donc les différentes formes de remparts qui ne sont pas toujours un objet fonctionnel, mais qui sont aussi une affirmation de l'espace intramuros protégé. Et on voit que la définition même de la ville, dans un manuel de Davillère, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire alors qu'il n'y a plus besoin du rempart, puisque nous sommes désormais dans la ceinture de fer de Vauban, même la ville est définie comme un ensemble de maisons cernées par une limite. Autre moment particulier de la constitution de cet espace urbain, c'est la porte que l'on protège, en la consacrant à une divinité, chose qui va même au-delà de l'aspect fonctionnel de la protection. Mais là, c'est une consécration, et on voit ici, soit dans l'Antiquité, soit en Orient, une porte d'un enclos, soit Paris, les portes, et soit le château de Prague. Comment est-ce qu'on peut, comme on dit dans le jargon, par des gestes apotropaïques, c'est-à-dire qui repoussent, comment est-ce qu'on peut protéger l'espace de la ville ? Et ce franchissement de la limite de la ville va jusqu'à être reproduit en plein centre, c'est-à-dire l'arc de Titus ou de Constantin, voire plus tard l'arc de Triomphe à Paris. Ce sont des gestes de manifestation et de reproduction du geste de franchissement de l'espace extérieur à l'espace protégé de la ville. Enfin, le problème de la centralité, ce point essentiel de la constitution de l'espace urbain, de l'organisation et de la conception et de la représentation, on voit la centralité qui non seulement est occupée par les valeurs les plus éminentes de la société qui la fabrique, mais aussi on la voit changer en fonction du changement des valeurs sociales. Au milieu, vous avez une image de la ville de Milet, qui dans l'Antiquité est peut-être le premier témoignage de la ville dite démocratique, où les divinités ne sont plus sur la place de l'Agora, elles sont mises sur le côté. C'est après la chute de la monarchie et c'est l'apparition de la philosophie à ce moment-là, au VIe siècle, où on voit que la seule déesse qui a sa place dans l'agora centrale, c'est Estia Kine, c'est-à-dire c'est le foyer commun. Et autour de cette place centrale, l'égalité des citoyens, ou prétendue telle, est représentée par l'équidistance des uns et des autres par rapport à la place centrale. Et on voit toujours ce fait de la centralité marquer la composition formelle de la ville. Et à cette composition formelle, nous avons évoqué les deux axes du zénith et du nadir, et on voit que cette verticale que l'on verra au niveau de l'édifice représentée notamment dans les églises par la flèche de la cathédrale. La flèche n'est pas un clocher, la flèche
est juste une évocation de la verticale qui surmonte l'autel, c'est-à-dire l'altar. Donc on retrouve dans la croisée d'une cathédrale, la croisée du transept, les mêmes évocations de verticale et de nadir. Donc on voit là cet emboîtement d'univers maîtrisé à l'échelle de l'édifice ou à l'échelle de la ville, c'est la même chose. Ici, on le voit avec les ziggourats et la fameuse représentation de la tour de Babel. Comme on le verra à travers le dôme de Saint-Pierre, où on le verra par la manifestation des différents pouvoirs qui vont même lutter entre eux. Et on sait combien la Torre degli Asinelli à Bologne n'est pas un fait fonctionnel. Elle a 90 mètres de hauteur alors que la portée de l'arc ne dépasse pas les 25 mètres. Et dans le centre de Bologne, c'est l'image au milieu, on voit la coupole de la basilique, la Torre degli Asinelli, c'est-à-dire le pouvoir féodal, et sur la gauche de l'image, le beffroi municipal. C'est effectivement la lutte des trois pouvoirs qui se disputent la ville et qui s'affirmera le plus, comme on voit ici à Bruges, le beffroi de Bruges, qui est du XIVe siècle, et qui est une manifestation pour s'élever au-delà de la flèche de la cathédrale, et c'est là qu'on va enfermer les chartes de liberté de la commune. Petite anecdote, si j'ose dire, c'est le débat qui a lieu. C'est dans les mémoires de Speer, qui était ministre de Hitler et qui nous raconte combien, quand Hitler veut construire sa coupole culturelle à Berlin, il apprend que Staline veut faire un palais des congrès à Moscou et ils envoient des espions réciproquement pour savoir quelle est la hauteur de l'édifice de l'autre. Probablement il y a des gens qui ont été attrapés, qui ont été fusillés uniquement pour savoir quelle était la hauteur du bâtiment de l'adversaire pour être plus haut que lui. Et on voit enfin une explicite manifestation de cette centralité, de cette verticalité. Lucio Costa l'écrit lui-même, où la place des trois pouvoirs, comme par hasard, se trouve en plein milieu de Brasilia, et il y a aussi des gestes formels d'un Parlement qui s'ouvre vers le haut, d'un Sénat qui se plie vers le bas, et les deux tours de l'administration qui sont au milieu. Et dans ce geste de la verticale qui s'affirme tout au long de l'histoire de la ville, nous avons, pour moi, c'est le premier témoignage de l'autocélébration où la verticale n'est plus une porteuse d'un message, si ce n'est celui de magnifier, de se magnifier elle-même. Et Eiffel a dit à l'inauguration de la tour, j'ai voulu élever à la gloire de la science moderne et pour le plus grand honneur de l'industrie française un arc de triomphe aussi saisissant que ceux que les générations précédentes ont élevé aux conquérants. Donc c'est la science et la technique qui s'auto-célèbrent. Mais la disparition du message collectif, si j'ose dire, on va le trouver par la suite dans les formes plus récentes de cette espèce de concurrence. Récemment, on a entendu parler de Dubaï et toujours plus haut, toujours plus haut. On voit désormais un phénomène purement formel d'une affirmation qui continue à se manifester. Dernier type d'occupation de cette centralité, d'affirmation de la centralité, d'affirmation des valeurs sociales à travers la centralité, c'est le vide qui est l'équivalent de la verticale, puisque on place la statue du roi au milieu de ce vide sur un piédestal pour qu'elle soit plus haute et
pour que les uns et les autres, nous puissions nous sentir les plus petits possibles, dont l'étendue est par rapport à la verticale. Alors ça, c'était un peu le code de ce qui faisait la ville, c'est-à-dire d'abord un espace consacré, collectif, délimité par opposition à l'extérieur, avec des lieux de franchissement, avec une composition qui l'unifie, peu importe si géométriquement cette composition est évidente ou pas, c'est pas la question. La question, c'est qu'elle est représentée, la ville est représentée comme un ensemble géométriquement très maîtrisé et qui se distingue de ceux qui l'environnent. Alors, voyons l'urbanisation maintenant. Un phénomène d'abord statistique, une croissance urbaine, une croissance de la population sans précédent au cours des trois derniers siècles. Disons, la date de référence, c'est 1750, parce que les démographes considèrent 1750 comme la période de transition. On a donc une croissance de la population très forte, avec le paradoxe de la France, qui est le pays le plus peuplé d'Europe, stagne comparativement aux autres. C'est-à-dire, pour vous donner une image, si la France avait connu le taux de croissance entre 1750 et 1950 des pays voisins, elle aurait eu en 1950, non pas 40 millions, mais 105 millions d'habitants. Mais la France, et ça c'est un vieux débat de démographe, a tassé complètement sa croissance. Mais bref, ce qui importe dans le premier graphique, c'est l'Europe que l'on voit augmenter le nombre de ses habitants de façon phénoménale en un siècle et demi ici, et que chose qui se poursuit. En France, on a aussi, c'est la deuxième graphique, on a un autre phénomène, c'est, qui n'est pas propre à la France d'ailleurs, une chute de la population rurale et la concentration dans les agglomérations. Donc on a un phénomène quantitatif de croissance inédite des villes, et on voit le phénomène d'urbanisation. Voilà une ville, la ville de Montpellier, qui entre la commune clôture du début du XIIIe siècle jusqu'au XIXe connaît une croissance jusqu'au XVIIIe disons une croissance relativement faible. En XIXe on voit des faubourgs, et puis en un siècle on voit exploser le phénomène de l'urbanisation tout autour de la ville, avec aussi des ruptures d'échelle, des ruptures de forme. On voit la même chose sur la commune de Bordeaux, mais là, nous sommes dans une période beaucoup plus brève. Entre 1950 et 1990, vous voyez combien le phénomène s'accélère. Là, c'est Marseille, 1888-1995. Vous voyez le vieux Marseille de la fin du 19e qui est en noir ici, comment il s'étend et il multiplie par je ne sais combien de fois le nombre d'hectares occupés. Alors, on évoquait le phénomène du dépeuplement du milieu rural, dépeuplement relatif. Voilà, là nous avons la carte de densité de la France en 1876. On voit certes des grands espaces qui sont vides, comme les Landes, comme une partie de la Savoie, mais on voit que le reste est réparti assez densément pour ce qui est des valeurs relatives. Et lorsqu'on voit la 1954, c'est-à-dire juste l'après-guerre, on voit déjà qu'il y a des concentrations qui sont formées, c'est les parties noires de l'image, des concentrations qui se sont formées. Le reste, comme il y a eu un accroissement de la population, les densités moyennes communales ont augmenté, mais on a aussi une relative vidange du territoire au profit des grandes agglomérations. Pour arriver à ce phénomène de devoir qualifier les agglomérations et l'urbanisation par des termes nouveaux,
Là, ce sont les zones de peuplement industriel et urbain, c'est-à-dire les ensembles qui gravitent autour d'un noyau central, mais où le travail et l'habitat sont extrêmement liés. On peut habiter de plus en plus loin et graviter autour du centre. Et on voit que, d'abord, la Fédération des agences d'urbanisme, c'est l'image de gauche, par des couleurs, a montré que, par exemple, l'espace lyonnais n'est pas l'espace de Lyon, mais de tout un réseau de villes qui se trouve autour de Lyon, idem pour Marseille ou Toulouse dans une moindre mesure. Bordeaux reste relativement isolé, mais on voit que finalement, ce sont des chapelets urbains qui se forment et que la DATAR montre de façon plus mécanique et plus schématique pour dire que ce sont finalement des systèmes urbains et non plus ni une ville, ni une urbanisation localisée sur un territoire communal ou intercommunal proche. Là, nous sommes dans des structures qui dépassent largement les échelles territoriales habituelles, y compris des agglomérations de la première moitié du XXe siècle. Un autre phénomène qui est plus récent, mais qui est quand même important, c'est la périurbanisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons plus d'urbains qui habitent le milieu rural que de ruraux qui l'habitent. Et c'est l'ensemble du territoire qui semble appartenir au même système urbain, sans discontinuité. Et là, récemment, il a été publié ce document sur la réurbanisation et l'on voit la consommation des sols. Nous avions eu l'occasion de faire un travail pour les années 80 avec le ministère de l'Équipement. Nous consommions à l'époque 50 000 hectares par an pour la croissance urbaine, dont à peu près 30 000 étaient consacrés à l'extension. Les autres 20 000 étaient une réutilisation dans des tissus déjà urbanisés. Actuellement, les derniers chiffres qui sont tombés pour 2008, pardon, nous sommes non plus à 50 000, mais à 66 000 hectares par an. Paris fait 10 000 hectares, donc grosso modo, vous voyez l'échelle du phénomène de l'urbanisation. Et voilà une photo satellite, elle est ancienne, mais les choses n'ont fait que s'aggraver. Voilà l'Europe photographiée par satellite la nuit. Voilà la chaleur qui émane des aires urbaines. Vous voyez certes un certain vide à l'échelle de la France, mais vous voyez qu'à l'échelle, qu'on parle de la plaine du Pô ou de la vallée de la Roure, nous sommes là dans des tissus continus et sans limite. Alors, comme je vous disais, nous avons deux phénomènes. Un phénomène très construit, qui est celui de la ville, qui traverse les siècles, et un phénomène très récent d'une urbanisation. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce qu'on a consommé des sols qu'on a fait des villes. Ce n'est pas parce qu'on a bâti des maisons qu'on a fait des villes. On peut aussi juxtaposer des choses sans nécessairement les souder dans un espace collectivement pensé, collectivement articulé. Alors, cette rupture, prends cette phrase de Cerdà qui me paraît être le jalon essentiel et qui, dans sa théorie générale de l'urbanisation et ses 6 volumes rébarbatifs, il faut dire, qu'il lui a consacré, il met en exergue cette phrase: ruraliser la ville, urbaniser la campagne, repletter terre, remplissez la terre,
c'est ce que me paraît être le fondement théorique de l'urbanisation, du moins la formulation de ce qui caractérisera l'urbanisation. Alors, les prémices, je ne crois pas, si vous voulez, aux improvisations. Il s'agit toujours d'un processus. Lorsque on sort de l'espace urbain médiéval où la ville, on l'appelle le corpus Christi, c'est-à-dire cette espèce de solidarité complète, totale de l'espace urbain, puisque c'est le corps du Christ, la ville, lorsqu'en 1435, Alberti écrit des pictures. Il dit « Je trace d'abord sur la surface à peindre un quadrilatère de la grandeur que je veux, fait d'angles droits et qui est pour moi une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l'histoire. » C'est-à-dire que l'histoire devient non seulement théorie, mais devient spectacle. L'anthropocentrisme de la Renaissance ne pouvait pas être mieux exprimé que par cette phrase d'Alberti, qui est spectateur de l'histoire, qui se place en spectateur de l'histoire. Mais Alberti écrit ça à des pictures, mais de fait, il est architecte aussi, et il reflète le monde qui est le sien. Et voilà le dessin redessiné au XVIIIe, qui était le sien dans le pour le cadre, il place avec le clou, c'est de fait l'œil de l'homme qui regarde la ville, et on voit les premières représentations un peu plus tardives de l'école de Piero della Francesca qui montre la ville, non plus la ville mystique, non plus la ville enveloppée par le manteau protecteur de la divinité, mais la ville affirmée, spectacle, est vue. Et on voit la ville de la Renaissance, ici bon, c'est Charleville, ville française, bien tardive, certes, 1608, mais ville ordonnée, spectacle aussi, avec au milieu évidemment la statue du duc. Et on voit aussi que ce spectacle suppose aussi qu'on solidarise les parties. Et nous avons ici l'œuvre d'Erré et de Stanislas Anansi qui réunissent la ville médiévale, l'extension de Charles VII et à travers cette... j'ai avancé de 4 points... par cette extraordinaire composition qui est là pour réunir l'espace urbain et lui donner sa figure telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on voit concomitamment apparaître cette planche qui est fort éloquente car elle montre combien autour de la région parisienne, on voit ces grandes compositions spectaculaires, mais au sens étymologique du terme, qui donnent à voir, y compris la nature, réforment complètement la perception de l'espace. Ce n'est plus un espace clos, c'est un espace ouvert qui s'accommode aussi, qui offre le premier modèle à ce que moi j'ai appelé la ville ouverte, c'est-à-dire le modèle versaillais, qui va être une ville centrée, certes, mais une ville sans limite et qui s'ouvre sur l'espace environnant. D'ailleurs, dans ce mémoire, est rapportée la conversation de Colbert de Louis XIV, Colbert lui disant « Mais que mettons au bout de la perspective ?» Et Louis XIV répondant « Mais finalement, cette perspective se finit dans le ciel, je n'ai pas de meilleur interlocuteur que Dieu. » Donc, effectivement, l'infini est l'espace, l'horizon, je dirais, de la ville ouverte. Et cette ville ouverte va
produire ces émules avec Karlsruhe, Washington ou Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, Saint-Pétersbourg et Karlsruhe étant aussi le fait d'architectes français ou d'inspiration française. À partir de là, cette ouverture sur l'espace ne va pas pour autant démentir le modèle de la ville par addition, de la ville qui continue son histoire autour de son centre. Nous sommes toujours évidemment dans des échelles tout à fait préhensibles encore, qu'il s'agisse de Bologne ou de Cologne. Nous avons ici des modèles de villes de la fin du XIXe siècle qui continuent leur chemin en s'étendant, en se réformant certes, mais en poursuivant un modèle à partir duquel elles vont se réformer. C'est-à-dire en reprenant toujours cette référence à ce qu'on appelle le schème, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans l'hiéroglyphe égyptien, qui connaît certes des modifications, qui, de l'Antiquité, on passe à la société démocratique grecque, on passe au Moyen-Âge, on passe à la Renaissance, mais c'est toujours par référence au même schéma, au même schème, comme on dit en anthropologie, que l'on va réagir. Et c'est là où revient l'ami Cerda, qui est finalement le fondateur, comme je vous disais, de l'urbanisation, avec un grand débat qui s'opère. D'une part, c'est Deschamps et Haussmann qui fabriquent Paris, et de l'autre côté, Cerda qui gagne le concours pour le plan de Barcelone. Cerda vient à Paris voir ce que fait Haussmann. Et il propose un système qui est diamétralement opposé. C'est-à-dire là où Haussmann recompose l'espace urbain à grands coups de démolition, puisqu'il démolit 16 000 immeubles, mais il reforme la ville à partir du modèle le plus classique, le plus traditionnel, je ne sais comment dire. De son côté, Cerda projette Barcelone, mais le centre n'est pas au milieu. Il n'y a pas de composition urbaine, au sens où on l'entendait, unificatrice du tissu. Effet particulier, il y a, comme vous le voyez ici, on le verra plus tard, les îlots qui finalement, jusqu'alors, réglaient aussi la distinction entre espace privé et espace public, et qui déterminaient de ce fait la posture et l'emplacement et la position de l'architecture. Là, les îlots sont ouverts. Voilà les percées de Haussmann et voilà le plan de Barcelone où on voit l'aventure que connaissent les îlots, c'est-à-dire initialement ils sont prévus comme étant des barres sur deux bords du rectangle, le milieu étant libre, et puis progressivement, sous la pression foncière, ils arrivent à être fermé. On voit ici les deux maquettes du même endroit de Cerda, les îlots tels qu'il les a projetés en 1855 à gauche et tels qu'ils ont été réalisés à partir de 1863 et depuis ils ont été encore fermés. C'est-à-dire Cerda, entre autres conception radicalement différente, où il territorialise la ville, où il supprime la notion de centralité, il casse aussi cette unité élémentaire qu'est l'îlot. Alors, petit anachronisme, mais qui est intéressant à avoir en parallèle, pas loin contemporain, parce que les idées se meuvent à des échelles de temps qui sont voisines mais pas tout à fait identiques. En même temps que Cerda propose son modèle
de destruction du schéma traditionnel de la ville, il y a des réflexions qui gravitent autour, qui sont celles, par exemple, de Ebenezer Howard, qui propose, au-delà des cités-jardins que nous connaissons tous, la ville par satellite, en reprenant la vieille idée qui est même chez Platon, de la multiplicité des villes, de l'enfantement de villes satellites autour de la première ville, de premier noyau. On a à côté, en Espagne, pas loin de Barcelone cette fois-ci, Soria y Mata qui dit, mais finalement, aujourd'hui, notre caractéristique essentielle, c'est le déplacement. Donc, il faut faire des villes linéaires le long des voies de communication. Et on a, à l'autre bout, dans les Pays-Bas, Wittveld, qui, à quelques années près, propose deux choses. D'une part, la suppression de la ville et sa traduction en des immeubles qui regroupent plusieurs milliers d'habitants et qui deviennent des micro-villes, si j'ose dire. Et de l'autre côté, la suppression des axes de communication à même le sol pour les surélever sur des pilotis. Ces trois idées, la ville satellite, la ville linéaire et la ville immeuble avec les autoroutes surélevées, finalement, vont se retrouver chez Corbusier. Le Corbusier, que Bruno Taut disait qu'il mettait en forme littéraire les idées qui gravitaient autour, effectivement, on peut dire, c'est très bref de dire les choses comme ça, mais il n'invente rien. Il réunit en un seul corpus des idées qui sont autour de lui, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. D'abord, ses dessins sur l'îlot, qu'il dénonce son côté insalubre. Il dit que le curetage, c'est l'image du bas, ne résout pas grand-chose. Et au lieu d'avoir le traditionnel rue, trottoir, maison, jardin, il renverse la logique comme une chaussette et il a la voie, l'espace vert et l'immeuble. Il a complètement renversé la logique dans sa proposition de destruction de l'îlot et de juxtaposition d'immeubles. Là, on retrouve quelque peu le dessin de Wittveld avec les autoroutes, les routes surélevées et les immeubles qui résument le fait urbain. Il n'y a plus de rue là-dedans. Dans les trois établissements humains, on retrouve l'idée de la ville linéaire avec les villes satellites autour du noyau de la ville ancienne. Et cette théorie corbusienne va être progressivement sublimée, voire exacerbée. On voit par exemple des schémas théoriques tels que a pu les dessiner Ozel, ou alors des projets qui vont aller vers dans la même direction. Le résultat aujourd'hui est celui-là. C'est une zone d'aménagement concertée, cette arène, où on voit que finalement la destruction de ce code commun de référence qui était le modèle de la ville aboutit à une fragmentation, à une juxtaposition, soit d'immeubles, soit d'opérations, de petites opérations. Vous voyez ici donc une zone d'aménagement concertée, et là, on a l'image d'une ville nouvelle, où finalement, il n'y a pas d'autre cadre de référence que la fonctionnalité des liaisons et l'indépendance des parties. On est loin d'avoir fait un espace, d'avoir fabriqué un espace qui est collectivement organisé
et où l'on retrouve les liens entre les parties. Et cet espace qui est dépourvu d'un schéma de référence et qui est dépourvu aussi de règles communes peut amener à ça. Ça existe, c'est une photo, ou alors à des propos nostalgiques tels qu'ils apparaissaient dans les années 75-80, les nouveaux villages de la périphérie. C'est-à-dire qu'en pleine périphérie urbaine, donc pleine urbanisation, on va se remémorer la ville d'autrefois. Alors, partant de là, on peut imaginer que cette tendance de l'urbanisation, que, encore une fois, je ne juge pas, j'essaye de la comprendre, cette tendance à l'urbanisation va être introduite dans la ville. Alors, on commence par dénoncer la ville traditionnelle. On voit ici la phrase de Corbusier qui dit que la ville est caduque. On voit Herriot qui dit la même chose. Donc, on va essayer de l'introduire. Et on voit là une proclamation de Le Corbusier dans le plan voisin, où il dit que le plan voisin dégage tout le quartier du Marais. Et pour ce qui nous concerne plus particulièrement, il dit, on voit également sur le plan voisin se dresser sous les frondaisons de nouveaux parcs, telle l'arcade, tel portique soigneusement collationné, parce qu'ils sont une page d'histoire, et dans une pelouse se tresse un hôtel Renaissance coquet à Avenance, un hôtel du Marais qu'on a conservé ou qu'on a transporté, c'est aujourd'hui une bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a des objets dans la ville ancienne que l'on prend et que l'on peut placer là, comme des bibelots sur la cheminée, rejoignant là une vision tout à fait du 19e pour ce qui est du patrimoine monumental. On voit que Corbusier n'a pas le monopole. Voilà une caricature anglaise de l'après-guerre, où le soldat qui revient du conflit retrousse les manches et efface la ville. Et voilà une brochure du ministère qui dénonce, comme vous le voyez, avec une croix, il dénonce le taudis historique qui est caractérisé par le surpeuplement, son caractère de zone, le manque d'hygiène et l'alcoolisme du gamin qui porte une bouteille plus grande que lui. Donc il y a une dénonciation de phénomènes de taudis qui sont réels, mais c'est la totalité de la ville qui en prend un coup. Si on voit les opérations de rénovation urbaine en France de 1956 à 1976, il y a eu 274 opérations de rénovation urbaine, 1500 hectares couverts, 120 000 logements démolis. On voit ici le cas de Troyes ou de Périgueux. On voit ici le cas d'Albi, où on a la ville telle qu'elle était au XVIIIe siècle et telle qu'elle est proposée en 1965 par la direction départementale de l'équipement. Mais comme l'État n'est pas un, heureusement il y a eu le ministère de la Culture à l'époque qui a créé un secteur sauvegardé, qui a empêché la démolition totale d'Albi, où l'on conservait finalement, comme le dit Le Corbusier d'ailleurs, Sainte-Cécile, la maison de Toulouse-Lautrec, quelques maisons qui font pittoresque au bord du Tarn, et pas loin d'Albi, malheureusement, la ville d'Alès n'a pas connu le même sort, puisque là, ça c'est une brochure de la documentation française qui disait découper selon le pointillé. On a découpé selon le pointillé, on a fait une dalle. Maintenant, moi j'ai travaillé dessus pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cette dalle. Il y a eu plus de 20 millions de francs pour démolir la dalle, et maintenant c'est pire sans la dalle que ça ne l'était avant.
et là, la rénovation a eu lieu. Voilà une autre opération avec cette absence de cadre de référence. C'est le cas de Marseille, le cours Belzunce, où on avait un cours qui bordait les remparts, et à un moment, on fait la rénovation de l'opération Bourse, et on se contente de mettre la pointe des bâtiments sur l'ancienne ligne d'implantation des immeubles du 17e. Et là, on est censé avoir recomposé le cours Belzunce. Là, c'est une photo qui malheureusement est pratiquement illisible, mais c'est à Ústí, en République tchèque, où l'on fait sauter les immeubles de la ville du 18e. Au fond, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Malheureusement, j'ai photographié ça. C'est une photo qui était collée sur un mur et je l'ai à la sauvette photographiée. Au fond, il y a un immeuble neuf avec quelques personnages de la nomenclature qui saluent la destruction à la dynamite de la ville ancienne. Mais la rénovation a été un phénomène pas particulièrement français, peut-être plus marquant en France, parce que l'urbanisation a été tardive ici, parce que les villes françaises sont de taille relativement réduite, les villes anciennes. Pour vous donner un exemple, je ne parle pas de Paris, mais la plus grande ville sur le cadastre napoléonien est Bordeaux, 196 hectares. Une ville moyenne comme Padoue, c'est 400 hectares. Une ville comme Bruges, c'est 380 hectares. Les villes françaises, en dehors de Paris, sont des villes relativement petites qui sont beaucoup plus sensibles à des interventions de rénovation comme celles que nous avons vues. Et cette insistance sur la rénovation, on voit en bas le détail du plan de Cerda face à la ville médiévale où il fait deux percées, mais il vient border la ville médiévale de Barcelone en faisant des îlots. Or, Le Corbusier, qui avait affirmé avec le plan voisin, c'est l'image du haut, la nette coupure entre la ville ancienne et les implantations nouvelles, pratiquement un siècle après Cerda, il vient dire « mais non, il ne faut pas garder tout ça comme ça » et il propose pour le centre médiéval de Barcelone un nouveau plan où il vide les îlots, il garde un peu de pittoresque et il cerne le tout de voies de contournement. Alors, ce processus de rénovation, de destruction des centres anciens et de éventuellement remodelage des centres en fonction des modèles de l'urbanisation, ce processus continue. Lorsqu'on avait fait cette étude qui était mentionnée tout à l'heure, nous avions mesuré l'ampleur du phénomène de la disparition des logements anciens. Sous le mot disparition, il y a certes une partie de transformation, mais il y a une bonne partie de démolition. Et on voit qu'entre 1962 et 90, il y a de 3,8 millions de logements anciens construits avant 1915 qui ont disparu. Et le processus continue, tel qu'on le voit à travers les coupures de presse plus récentes. Donc c'est un processus de destruction qui continue, et c'est un processus que l'on voit aussi refuser la croissance de la ville, la croissance ordinaire de la ville. À gauche, vous avez une image de Sedan et du plan qui avait été fait en 1941 d'une extension qui continuait les rues sans autre problème et qui recomposait des îlots au-delà des rues. Eh bien non. En 1970, a été réalisée la ZUP que vous avez sur l'image de droite, qui se termine toute en cul-de-sac. C'est-à-dire que là, on a un problème même de contradiction interne, je dirais, de cette pensée, si pensée il y a, moderne ou contemporaine. C'est-à-dire qu'alors qu'on découvre le phénomène urbain et le phénomène de la croissance urbaine sans fin,
En même temps, on fait des voies, des extensions en impasse. C'est-à-dire, au lieu de donner une dynamique à perte de vue, on ferme l'horizon de la ville sur une opération. Et notre difficulté, notre, je dirais, incapacité, mais pas par sens de parce qu'on est mauvais, mais parce que nous vivons dans un autre temps, notre incapacité de reproduire la ville ancienne ou d'y intervenir de façon pertinente, peut être illustré par ce plan de Saint-Malo qui bombardait cette pauvre ville, a été reconstruite, et aux yeux de tout le monde, à l'identique. Or, quand on compare le plan d'avant la reconstruction et d'après la reconstruction, on voit que toutes les interventions n'ont absolument pas reproduit les formes urbaines ancienne. On est intervenu comme si on intervenait dans une périphérie avec des immeubles que par ailleurs on a peut-être habillé de lucarnes, de pierres, de menuiserie, que sais-je, à l'ancienne, mais qui ne sont que des imitations et sans aucune réalité, sans aucune épaisseur. Alors, on a donc deux systèmes, un système construit, un système fragmenté, très, très prisonnier aussi de lui-même, comme le précédent d'ailleurs, et on a deux catégories de l'urbain. La question est maintenant de savoir comment est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, l'architecture, elle, arrive à participer d'un ensemble. Ou est-ce que de même que les opérations qu'on a vues se juxtaposer, ne se juxtaposent pas aussi? Est-ce que les bâtiments ne se juxtaposent pas, fragmentés qu'ils sont? Alors, on a deux voies. D'une part, la phrase de Le Corbusier, qui, malgré tout son talent au plan théorique, réduit la maison à sa seule dimension fonctionnelle. Et la dénonciation d'Adolf Loos, qui dit que l'art de bâtir se dégrade, il est devenu un art graphique, et il tire sa révérence aux architectes en disant que la vanité nerveuse, la vaine nervosité qui pousse chaque architecte à faire autre chose que le voisin. Mais faire autre chose que le voisin, ça veut dire qu'il n'y a plus de règles communes. Et effectivement, il n'y a pas de règles communes. C'est ce que j'appelle la subordination de l'architecture à l'urbain. Nous est illustré par beaucoup d'exemples dans le passé. À gauche, vous avez la maison dite de Diomède, où, qui est à Pompéi, c'est-à-dire que c'est une façade sur rue. L'ami Diomède se soucie d'affirmer la symétrie de sa façade autour de son escalier. Et puis, comme sa parcelle est tordue par rapport au tracé de la rue, il se débrouille pour articuler les axes d'organisation et de symétrie de sa maison, de sorte à pouvoir tourner le plan et avoir ce double langage, si j'ose dire, de l'architecture, le langage public et le langage privé. C'est-à-dire, d'un côté, on se conforme à la règle commune, de l'autre côté, on gère l'espace intérieur en fonction de ces convenances. À droite, vous avez le même exemple que la maison de Diomède. Quelques siècles plus tard, c'est l'hôtel de Beauvais où le pôtre arrive à faire cette extraordinaire acrobatie dans un réseau de parcelles tordues qu'il est arrivé à accumuler pour faire l'hôtel de Beauvais, et qui est un enchantement de symétrie pour ceux qui aiment la symétrie et qui est d'une habileté extrême. Et on voit au milieu la place du Capitole à Rome, où Michel-Ange, finalement, tirant parti de choses existantes, arrive à faire un chef-d'œuvre de l'art urbain, de composition, et ce qui pousse à dire que finalement,
La composition, ce n'est pas le mot composer, ce n'est pas seulement dire ordonner. Composer a un deuxième sens qui est faire avec. Donc composer, c'est ordonner, mais aussi faire avec. Et ordonner en faisant avec. Et là, l'exemple de Michel-Ange me paraît être des plus remarquables dans l'histoire de la composition urbaine. Et on voit que la composition urbaine, que la règle commune, n'a pas empêché Gaudi, même s'il a protesté de façon véhémente, à implanter la Pedrera à un angle des îlots de Cerdà, qu'il a dû refermer malgré l'auteur du projet urbain. On voit aussi Guimard prendre position dans une séquence de maisons lilloises. Son problème, il déroge au niveau de l'architecture, mais il se soumet à la règle urbaine. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire, toute l'histoire de l'architecture est une histoire de création et de récréation. En revanche, l'histoire urbaine est une histoire de subordination de l'édifice à la règle commune de la ville. Et on voit que, pour montrer quelques faits paradoxaux, qu'il s'agisse de Prague ou du Zès, on a des parcelles médiévales, on change d'époque, on change de style, on change de goût, et on fait un emballage à Prague, un emballage baroque d'un îlot, d'un bâtiment dont le substrat est médiéval. À Uzès, on plie le portail qu'il faut affirmer de façon conséquente pour la grandeur de la maison, mais c'est un recoin de l'espace public, donc on plie le portail. C'est là où j'appelle le mot de subordination. J'emploie le mot subordination, non pas pour dire qu'il y a une soumission servile, il y a une soumission pleine d'habileté et de l'architectural à l'urbain. Et on voit que cette foi à la poursuite de la ville, ce sont les pierres en attente qui étaient imposées et que l'on voit le long des rues, parce que la règle allait continuer, elle n'a pas continué. Les pierres sont restées là, elles sont toujours en attente. Et là, on passe à la situation d'aujourd'hui, où la règle commune disparaît, quelle que soit la qualité remarquable des bâtiments de Renaudie. Là, entre ces bâtiments, il n'y a pas de rapport. C'est de la juxtaposition mécanique. Ça aurait pu être là, ça aurait pu être ailleurs. Rien ne désigne le rapport, jusqu'à ce qu'on arrive à cette architecture célibataire. Cet extraordinaire bâtiment de Wojnicki, hein, qui regarde aux quatre horizons, mais il n'a pas de voisin. Il est tout seul. Et on arrive à cette situation de la juxtaposition des architectures qui deviennent des objets graphiques, comme disait Loos. Hein, avec des façades que rien n'explique, si ce n'est un geste graphique, ou alors on reprend au mot Le Corbusier, la machine à habiter, d'un côté ou de l'autre. Au point où, voilà, on voit une photo comme ça, on se dit, où sommes-nous? Où sommes-nous? Ben, on est aux Champs-Élysées. On prend une photo comme ça, on s'est dit, mais où est-elle prise? On est à Venise. C'est-à-dire cette indifférenciation des références, cette standardisation amène à aliéner, au sens étymologique du terme, l'objet architectural par rapport à son contexte. Il devient totalement indépendant, il peut être là, il peut être ailleurs, sans crier gare. Au point où c'est un des bâtiments pour lequel j'ai une grande admiration personnelle, c'est l'Institut du monde arabe, où Jean Nouvel a, avec une extrême habileté, épousé la courbe la plus ingrate du quai
des rives de la Seine, et il a sorti ce plan qui est bien connu dans le milieu et que l'on appelle la pince à linge, qui est un extraordinaire bâtiment, un extraordinaire plan. Et quand on regarde les revues, on voit cette même pince à linge apparaître à Nancy pour le bâtiment du Conseil général qui n'a jamais vu le jour, alors qu'à Nancy, la Seine, à ma connaissance, ne passe pas encore. On le voit à Roanne ou on le voit à Lille. C'est-à-dire que là, on a plus, comme autrefois, on avait des références stylistiques et on transposait une référence stylistique pour façonner les objets en fonction d'elle. Là, on ne transporte pas une référence stylistique, on transporte des objets. Lorsque la Renaissance s'introduit en France, elle se décline selon l'architecture française. Les croisées italiennes ne sont pas les croisées françaises. Les croisées de la Renaissance, j'entends. Maintenant, on prend un objet, on peut le balader n'importe où. Ou alors, on peut tomber dans ce formalisme, très habile peut-être, de ce bâtiment de Guéry que j'ai vu à Prague. En revenant à Paris, j'ai vu une exposition sur la peinture allemande du début du XXe, et j'ai été frappé par l'analogie formelle et le formalisme de l'architecture dans ce chemin. Pour en arriver là, à gauche on est à Shanghai, à droite on est à Carcassonne. Certes, il n'y a pas beaucoup de pagodes à Carcassonne, mais on peut faire une pagode à Carcassonne. Donc, si vous voulez, cette absence de référence amène l'architecture dans une espèce de voie où elle change de statut. L'architecture n'est plus le maillon d'un ensemble qui dialogue. Ce sont des objets autonomes. On a vu sur Sergi Pontoise la juxtaposition de plus ou moins bonnes architectures. Chaque architecte avait un lot. Et quand on me dit aujourd'hui il faut parler d'insertion architecturale dans les périphéries, je me demande comment diable peut-on s'insérer, par rapport à quoi ? On s'insère par rapport à quelle référence ? Lorsque on est, je n'ai pas mis sur les projections une analogie totale avec le truc de Poitiers, le parc d'attractions de Poitiers où on a aussi des objets. Le Futuroscope, c'est aussi la même chose. Les objets peuvent être d'une très grande valeur, d'une très grande qualité de dessin, je ne le nie pas, et ça il ne faut pas considérer que je critique cet aspect des choses. On a des architectures fabuleuses, mais des monologues qui se juxtaposent les unes aux autres. Et cela m'amène à dire qu'aujourd'hui, finalement, l'enjeu de l'architecture, c'est pas l'architecture, mais c'est la perte de la règle urbaine qui lui aurait dicté sa façon de s'implanter. Alors, essayons de raccrocher avec la situation des centres anciens et nous avons eu l'occasion de faire cette étude pour la période 62-90. Malheureusement, elle n'a pas été poursuivie et on n'a pas des données plus récentes. Mais déjà, ces 30 glorieuses, les années 60-90, sont assez parlantes de l'évolution de la situation. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un centre ancien dans les agglomérations françaises ? Il y a eu un travail qui a été fait par le Centre de recherche d'urbanisme, l'IGN et l'INSEE, en 1970, et qui a mesuré, mais de façon assez remarquable,
la surface de 700 et quelques villes, agglomérations, pardon. 700 et quelques agglomérations, 717, si mes souvenirs sont bons. Alors finalement, on voit qu'à l'époque, en 1968, puisque les références étaient 68, avec le recensement, la date du recensement, les centres anciens représentaient 3,7% de la surface urbanisée. C'est-à-dire, sur les 700 villes, il y avait pratiquement 20 000 hectares qui correspondaient au centre ancien. Qu'est-ce qu'on appelle centre ancien ? Là, la définition était celle communément admise en Europe, c'est-à-dire, c'est grosso modo le cadastre napoléonien, le milieu du 19e siècle. Donc, les centres représentaient 3,7%. Nous avons fait un travail, mais sans pouvoir détailler les courants de danse, les ensembles collectifs, le pavillonnaire, etc., pour mesurer la surface. Nous l'avons fait avec l'IGN et l'IGN seulement. Nous l'avons fait pour 1990. Et là, les centres anciens n'ont pas augmenté. Ils sont toujours les mêmes. En revanche, ils ne représentent plus que 1,2% de la surface urbanisée. En 90. Aujourd'hui, je ne sais pas. 1,2% de la surface urbanisée. Voilà les enjeux quantitatifs en surface des centres anciens. Ces centres anciens représentaient à l'époque aussi 5% des habitants et 5% à peu près des logements. Je parle de 90. Donc, le centre ancien est une denrée rare au sein des agglomérations. Très rare. Et ces centres anciens, nous avons vu la rénovation, mais ce qui les caractérise, c'est d'abord le délaissement. On voit qu'entre 62 et 90, ils ont perdu à peu près 45% de leurs habitants. En même temps que la périphérie communale au sein de la même commune augmentait pour après stagner, alors que le reste de l'agglomération continuait sa croissance. Si on va au-delà de la périphérie communale et de l'agglomération, si on prend l'aire urbaine, on voit que le phénomène, plus on va loin, plus la croissance est forte. C'est ce qu'on appelle la dilution urbaine. Et plus la croissance est forte, et plus on va loin, plus on converge vers le centre. Car on a pu créer des pôles d'utilisation très fréquentés en périphérie, mais on n'a pas créé des centralités périphériques. Je m'en souviens toujours du schéma directeur de la région parisienne où sur le terrain des Tartres, qui fait 70 hectares, il devait y avoir la préfecture, l'université et le centre commercial. Le centre commercial est à Saint-Denis, la préfecture est à Bobigny et l'université est à Villetaneuse. Et les 70 hectares sont vacants. Donc cette capacité de notre monde de fabriquer des centralités où les choses foisonnent et s'articulent est devenu quelque chose de très rare. Sur le logement, on voit le logement des centres, on voit la population en noir, le trait noir qui décroît, les résidences principales qui décroissent mais qui augmentent après légèrement, essentiellement par division des grands logements. D'un 5 pièces, on fait 2 pièces. Et puis, le nombre de logements vacants qui augmente terriblement. En 90, nous avions mesuré que sur les villes sur lesquelles nous avions étudié, c'était 112 villes.
on avait 250 000 logements nominalement vacants. J'ai dit nominalement parce qu'on ne pouvait se référer qu'aux statistiques, bien que ces statistiques sont un peu moins fausses qu'on ne le dit. J'ai eu l'occasion de le vérifier avec les tournées EDF et autres critères pour dire que l'ordre de grandeur est à peu près le bon. Et après, on a essayé de croiser le taux de dépeuplement et le taux de vacance des logements, et on voit qu'effectivement, plus les villes, c'est une évidence, plus les villes se dépeuplent, si on trace la ligne du dépeuplement, on voit qu'elle correspond à peu près avec les lignes de la vacance. Un autre phénomène des centres anciens, c'est que ce sont les lieux des extrêmes. C'est-à-dire qu'on a une population qui est très âgée ou très jeune, très aisée ou pauvre. Et dans ces centres anciens, on a des situations donc extrêmes. Ici, j'ai mis les courbes de la pyramide des âges que je traduis en courbe. Vous avez en bleu la moyenne nationale de la pyramide des âges, et vous avez en pointillé noir la pyramide des âges dans les années 75. On voit la pointe dans les jeunes adultes, hein. On voit le déficit d'enfants si on regarde par rapport à la courbe nationale. En 82, on a le trait plein noir, on voit que le phénomène s'exacerbe, exactement le même phénomène, et en 90, qui s'accroît encore plus. C'est-à-dire qui est dans les centres anciens, soit des personnes âgées, soit des jeunes adultes, seuls ou célibataires ou en couple, qui sont là en transit. Les uns, malheureusement, les personnes âgées en transit biologique, les autres en transit avant d'aller acquérir le pavillon de la périphérie. C'est-à-dire que les centres connaissent un mouvement de population qui les caractérise de plus en plus. On voit que le locatif est dominant. Alors, des images comme ça de délaissement à travers le monde, hein, qu'il s'agit de la Sicile ou d'Ubeda en Espagne, ou de Riga, ou de Bayonne, de Bordeaux, de Sedan, que sais-je, on voit partout un abandon des logements, que l'on voit ici, la Bayonne, vous avez les deux photos, je connais bien l'histoire, puisque c'était un immeuble totalement déprécié, à l'époque, on achetait pour 500 francs le mètre carré à Bayonne. Et c'était un maire adjoint qui avait acheté cet immeuble. Et comme c'est un système poteau-poutre du 17e, c'était pile en pierre, et après tout le rez-de-chaussée était libre, il avait acheté l'immeuble, il a vidé ses occupants, et il l'utilisait pour garer les voitures de ses employés et les siennes. Et ben, comme il n'y avait plus de personne qui chauffait l'immeuble, personne ne l'entretenait, en 85, il y a eu un orage, l'immeuble s'est effondré, et comme nous l'avions protégé dans le plan de sauvegarde, ça a coûté les yeux de la tête que de le restaurer. À côté, vous avez à Rennes un bâtiment qui s'est écroulé, et là, nous sommes à Prague, où il faut passer sous les plateformes pour être à l'abri des écroulements. Et là, on a un cas où on voit que, finalement, l'effort sur l'habitabilité des immeubles, ce n'est pas nécessairement toujours le premier souci, puisqu'il y avait ce palais qui était complètement délaissé, muré. Moi, j'ai vu une affiche un jour disant que la commune restaurait l'immeuble. J'ai observé qu'il y avait des échafaudages, et puis on a dévoilé les échafaudages. La façade était parfaitement restaurée, le fenêtre toujours muré, c'est-à-dire on avait un bon décor, mais rien derrière. Alors ça, c'est le délaissement. Voyons le succès maintenant. Le succès, c'est une pression commerciale, une attraction croissante pour les centres. Hein, les rues piétonnes, le commerce, le ceci, le cela. Bon, alors à Bordeaux,
commerce qui monte aux étages. À Bayonne, les étages consacrés juste aux climatiseurs. À Poitiers, là, finalement, de l'immeuble, il ne reste que l'étage d'attique qui surmonte Natalis. Là, c'est à Prague. Là, c'est à Nîmes. Si quelqu'un veut rentrer chez lui, il doit déplacer les croissants. Là, c'est à Bordeaux, le restaurant. Et voilà les parties communes de l'immeuble, comment elles sont occupées. Là, c'est à Ljubljana, où les cours sont envahis. Et là, c'est encore à Bayonne, où Etam achète 4 immeubles avec un programme de magasins et de logements. Il nous propose la restauration. On voit les magasins s'ouvrir, les façades parfaitement restaurées, aucun logement. On leur dit, mais de quoi ? Et ils nous disent, mais finalement, nous, on l'a acheté tant, l'immeuble, on a dépensé tant, il entre tant, pourtant, dans le bilan comme actif, donc on n'a pas besoin de nous embêter avec des locataires. Il a fallu les menacer d'expropriation pour arriver à leur faire vendre l'immeuble à quelqu'un qui faisait du logement. Voilà donc succès et délaissement qui se marient. Succès qui, du point de vue commercial, risque de transformer progressivement les centres, selon cette caricature prémonitoire du monde, en des sortes de supermarchés pittoresques où tout le monde ira s'achalander. Parce que, comme on a vu, l'urbanisation s'étend de plus en plus loin, va de plus en plus loin. Il n'en reste pas moins que le centre continue l'attraction. Et l'échelle de cette attraction, je parle de Bayonne puisqu'on a le plan, Bayonne est habitée par 5000 habitants dans le centre, vous voyez le grand Bayonne à gauche, le petit Bayonne à droite, mais l'aire de Chalandise est de 220 000 habitants. Et voilà l'échelle des supermarchés qui se trouvent en périphérie. C'est-à-dire, cet espace de 37 hectares de la ville doit non plus satisfaire 5 ou 10 000 habitants, le maximum ça a été 12 000 dans l'histoire de Bayonne, doit satisfaire non plus 5 ou 12 000 habitants, mais répondre à 220 000. Alors, faute de pouvoir le faire, souvent on voit apparaître des phénomènes comme celui-là, c'est à Edmonton au Canada, désolé pour la photo, ça vient d'une revue, où vous avez 8 hectares de centre commercial en périphérie, vous avez le propriétaire de cet ensemble, qui est finalement un faux centre ancien. C'est-à-dire on crée en périphérie l'image du centre parce que c'est un argument d'attraction. Et pas seulement au Canada, ça c'est Auchan, tout près de Lille. On a les façades avec les pignons à pas de moineau, typiquement flamands. Et on arrive finalement à cette espèce d'image qui est, il y a deux planches de patrimoine objet qui sont caractéristiques du 19e siècle. Il y a la planche des châteaux et la planche des cathédrales, le tout mis sur une pelouse. Maintenant, ce n'est plus une pelouse, c'est dans le magma urbain qu'on a des objets comme ça. Donc, on rejoint, Corbusier ne disait pas autre chose, hein, on est dans la même cohérence, pour aussi attirer le touriste. Voilà l'échelle aussi du, comme on avait pour le supermarché, pour le commerce, ici c'est l'afflux des bateaux à Venise. Et là, on voit que finalement, le touriste, il faut le promener dans le centre ancien, et pour qu'il ne se perde pas, on lui trace un fil bleu à Poitiers, c'est le circuit court, et puis le bleu clair, c'est le circuit long, on visite un peu plus de choses, et de temps en temps, il y a des flèches, parce qu'il faut lever la tête pour voir ce qu'il y a au-dessus. Le circuit rouge est à Marseille. Mais c'est la réalité.
Et vous allez à Béziers, vous avez une annonce sur l'autoroute extraordinaire du centre ancien et de ses monuments. Vous approchez à Béziers, vous voyez comment, une fois qu'on a attrapé le chaland, comment on le réduit à une petite pancarte. À Saint-Aignan, on vous dit où il faut photographier. Et en Tunisie, c'est la même chose. Mais allons plus loin, parce que... Ah, celle-ci, elle est là. Là, il y a une inversion de photo, mais ce n'est pas grave. Je vous parlais des monuments et de la pelouse. Vous voyez ici, les monuments sont engoncés. Là, on est à Porto Alegre, à Istanbul, à Bruxelles ou à Rodez. Les restes des remparts ou des maisons ou des marabouts sont engoncés, non pas sur la pelouse, mais dans le tissu urbain. À Athènes, c'est le ministère de la Culture qui enjambe une chapelle byzantine. Et on va jusqu'à... et ça, c'est l'université. Donc, c'est pas neutre. C'est à Marseille où on a la façade de l'université. On est devant la halle de Puget, avec le bâtiment rose qui n'existe pas. Ce sont des locaux techniques aveugles. C'est une fausse façade. Et derrière la façade, comme vous voyez à droite, il y a une deuxième façade qui, elle, est rationnelle. Et le devant n'est qu'un décor sans autre intérêt. Et on voit que dans ce système d'objets qui attirent finalement, il y a l'envers du décor. Là, nous sommes à deux pas. C'est l'îlot qui est derrière la place de Bruxelles. Et vous voyez que c'est vraiment l'arrière-boutique touristique de la place de Bruxelles. Allons sur le tourisme et la pression. Malheureusement, la première photo, c'est Auschwitz, qui est traitée au même régime. Là, c'est une fausse ville en Tunisie. Là, c'est l'accès à Carcassonne. Et en bas, c'est Bandiagara. On voit que, finalement, ce sont les objets, les décors qui changent pour parler de la même chose. Et là, c'est Las Vegas. Et là, c'est une ville de loisirs, Glitz, en Chine. Donc, le phénomène se répand. On n'est pas les seuls privilégiés. Et voilà les cartes postales de Paris. Hein, je vous rappelle toujours les châteaux sur la pelouse. Tout Paris est résumé sur les 15 cm sur 8 de la carte postale. Ou alors, on va vous montrer le pittoresque qui est finalement un îlot inachevé, éventré au moment de l'osmanisation de Paris, qui est devenu un lieu d'attraction. Et là, on va fabriquer aussi du patrimoine. Là, c'est rue Pierre-Nicole, un immeuble tout neuf. On a fait des fausses ruines à rez-de-chaussée. Pardon ? Pour moi, 25 ans, c'est tout neuf. ou alors, entre Aix et Avignon, vous avez de quoi, alors là, acheter des vraies façades pour les mettre sur des faux immeubles. Et là, vous avez des faux matériaux qui imitent ce que vous voulez, la pierre, la tuile, les peintures 17e sur des contrevents PVC, la croisée, je ne sais pas si elle est 16e ou 17e, les portes aussi en PVC, et même l'espace urbain, c'est la gamme Dantin qui nous fabrique tout ça. Donc, Nous sommes dans ce système où pas de règles communes, l'architecture qui passe dans un système d'objets, hein, et en même temps un regain d'attraction pour le patrimoine, que je mettrai cette fois-ci vraiment entre guillemets, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, peu importe. C'est l'image qui compte, et c'est cette espèce de schizophrénie entre présent et passé qui fait qu'on ne veut pas reconnaître qu'on est devant deux catégories de l'urbain, et que si on le reconnaissait tout simplement, à la limite, les centres anciens qui sont rares,
On l'a vu avec Saint-Malo, ils ne sont pas reproductibles. Et en même temps, quand on pense à Avignon, on ne pense pas à la ZUC ou à la ZAC ou au lotissement. C'est le petit centre, les 146 hectares du centre d'Avignon qui nous vient à l'esprit. Donc rare, irréproductible, signifiant parce qu'il donne un visage au lieu. Les centres anciens réunissent les caractères du monument. C'est la rareté, l'unicum, la non-reproductibilité et la signifiance. Ce sont les trois caractéristiques du monument. C'est-à-dire que ce sont dans un monde où il ne représente plus que 1,2% de la surface urbaine, on peut considérer qu'ils correspondent à des monuments. Et qu'il faut traiter éventuellement, restaurer, casser, peu importe, que l'on choisisse clairement, et qu'en dehors d'eux, il ne faut pas aller faire des faux villages, comme c'est le cas, ou de l'ersatz de pavillons modernes avec des tuiles charentaises, mais il faut assumer le fait qu'il y a deux catégories et que c'est très sain, c'est très bien, mais assumons-le. Alors, la plus vieille citation que j'ai trouvée, j'espère qu'il y en a d'autres, mais que d'autres trouveront, sur justement l'existence des deux catégories de l'urbain, et celle de Victor Hugo qui, en passant par Bordeaux, il dit « embellissait la ville nouvelle et conservait la ville ancienne ». Déjà, en 1839, il énonce l'existence de deux catégories de l'urbain, hein, à sa façon, emphatique et très habile, mais déjà avec le cinquième chapitre de Notre-Dame, « Ceci tuera cela », il en dit long sur la rupture qui s'opère au cours du XIXe siècle entre un monde traditionnel et le monde depuis lors dit moderne. Et je voulais finir sur une citation de celui que je pense avoir été la personne qui, de façon la plus prémonitoire, a illustré les enjeux. C'est André Leroy-Gourhan qui, dans les années 55 même, écrit « À partir du XVIIIe siècle, l'intégration spatiale prend un caractère confus. L'humanisation de l'espace se produit à un rythme rapide sous l'effet de l'industrialisation. L'univers naturel est lacé dans un réseau de voies ferroviaires et routières qui détermine un mode de croissance particulier comparable à celui d'un micro-organisme envahissant un tissu. La cité devient agglomération de bâtiments utilitaires dans laquelle les artères sont tracées au gré des besoins. Ainsi se réalisent d'immenses espaces humanisés de manière inhumaine dans lesquels les individus subissent le double effet de leur désintégration technique et spatiale. Un espace vivable est un espace ordonné dont on peut toucher les limites en un temps compatible avec la rotation des opérations quotidiennes. » Et là, il dit cette phrase qui me paraît essentielle, « Le bouleversement le plus important, celui qui fait passer l'homme dans un cas d'intégration spatiale individuellement planétaire, s'est déroulé en 5 ou 6 générations. » Effectivement, cette société individuelle, individualiste dans laquelle nous vivons, se reflète aussi dans la conception que nous pouvons avoir de tout ce qui est collectif. Et ce n'est pas un hasard si la ville, sous l'effet certes de faits matériels, connaît le sort qui est le sien aujourd'hui. Donc, j'ai eu l'occasion, au hasard d'une promenade dans le plein désert de Wadi Rum, en Jordanie, c'était vraiment plein désert. Il n'y avait pas un camion, il n'y avait rien. Il y avait quelques tentes de bédouins avec un ou deux chameaux autour. Et devant chaque tente, il y avait une antenne parabolique. C'est l'intégration individuellement planétaire, comme disait le roi Gourhan.
Je me suis arrêté, j'ai discuté avec les gens, et puis vous voyez la pièce, c'est une tente qui est énorme. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Au centre, la télévision. Et à un autre bout du monde, un village lacustre, hein, dans le lac de Tonle Sap, au Cambodge, là, les antennes de télévision sont hissées sur des bouts de branchages que l'on articule, qu'on noue ensemble, parce que finalement, c'est ça le lien avec le reste du monde. Alors...